Après 10 jours d'évaluation des candidats au 20e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, organisé du 2 au 11 novembre à Brazzaville, 217 sur 287 postulants ont été déclarés admis au titre de maître assistant ou professeur agrégé de l'université, soit un taux de réussite de 81,53%. L'université tchèque Anta Diop du Sénégal a réalisé les meilleurs résultats par ordre de mérite sur les 13 pays inscrits. À l'issue de ce 20e concours d'agrégation du CAMES de médecine humaine, pharmacie, odontosomatologie, médecine vétérinaire et production animale, le taux de réussite enregistré est de 81,53%. Anesthésie, réanimation et aussi spécialité cancérologie et oncologie médicale. Léye Papa Alassane de l'université tchèque Anta Diop. C'est le premier, suivi de M. Ki Kelan Berti de l'université Joseph Kizerbo. Les candidats de la spécialité endocrinologie, métabolisme et nutrition. Monsieur Diata Boubacar Ali de l'université tchèque Anta Diop. Le deuxième, Bayonne Guino Edith Sophie de l'université Marien Gouabi. Hématologie clinique. Le premier, c'est monsieur, je pense, Sek Moussa de l'université tchèque Anta Diop. Sur les 19 candidats de l'université Marien Gouabi du Congo, 17 ont pu décrocher leur diplôme d'agrégation, dont une lauréate congolaise qui a exprimé sa satisfaction et a reconnu sa responsabilité aux côtés d'autres lauréats. Quand on compare avec l'Afrique de l'Ouest, ils ont beaucoup plus d'enseignants de rang A que nous. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a quelques années, les Congolais se présentaient, il y avait 2 candidats, 3, 4. Aujourd'hui, on en a présenté 19 et 17 ont réussi. Donc on sait qu'on est en train d'aller vers l'avant. Et les gens sont déterminés. Aujourd'hui, tout le monde aspire à aller de l'avant. Nous avons suivi l'encadrement de nos maîtres, un travail poursuivi, acharné, et pendant plusieurs mois, ce qui nous a permis de réussir à ce concours. Une récompense dénommée Prix André Goisé a été attribuée à Aimé Sosten Ouedraogo de l'université Joseph Kizerbo du Burkina Faso. Major de cette promotion du 20e concours CAMES 2020, ce meilleur candidat a reçu une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Nous sommes venus à ce concours dans le but de le réussir. Nous ne savions pas que nous allons avoir le prix André Goisé. Et c'est un sentiment de joie qui m'anime. Nous espérons être à la hauteur des attentes de nos maîtres pour pouvoir continuer toujours de travailler pour le bien de nos malades et le bien de nos étudiants. Malgré que le taux de réussite de 2020 est inférieur à celui de 2018 au Gabon avec 83,14%, les responsables du CAMES et les autorités nationales du pays hôte ont apprécié le nombre élevé des participants et la qualité des résultats qui valorisent ces retrouvailles scientifiques panafricaines de l'enseignement supérieur. En même temps que l'on constate cette légère baisse, on doit aussi objectivement noter une augmentation progressive du nombre de candidats, traduisant ainsi une bonne attractivité du concours. En effet, en 2016, l'effectif des candidats se situe à 201, en 2018 à 261 et en 2020 à 287. Autrement dit, en valeur absolue, la quantité de spécialistes mise à la disposition de l'espace CAMES se trouve toujours plus importante d'une session à une autre. Le 20e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, endostomatologie, médecine vétérinaire et production animale se termine sur une note d'espoir, celui de mettre à la disposition à la fois des services de santé et de l'enseignement supérieur de nouveaux maîtres de conférences. Au CAMES, je voudrais transmettre au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso,
du gouvernement et du peuple congolais notre profonde gratitude pour la confiance placée au Congo d'accueillir pour la troisième fois les épreuves de ce prestigieux concours. Ce 20e concours d'agrégation du CAMES a été aussi marqué par la décoration de plus de 10 personnalités de l'enseignement supérieur et du CAMES au grade de commandeur, officier et chevalier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES et dans l'Ordre national du mérite universitaire.